sommes le jeudi 19 décembre. Noël approche à grands pas. C'est la bad news de l'avant. Et je crois que j'ai tout dit en fait. Bah non, faut que tu dises Jingle Bell. C'est ça. Le 19, qui c'est qu'il y a ? Star-Lord. Star-Lord, et moi je dis Spider-Man, classique. C'est un gardien de la galaxie. Ah, oh, Groot ! Ce qui est dommage, c'est qu'ils l'ont vraiment fait moche. Bah moi je le trouve toujours moche, mais bon. On est parti sur cette loi improbable des États-Unis dans le Connecticut. À Hartford, il est illégal d'embrasser sa femme le dimanche. Bon, alors j'aimerais bien voir ça. Dans le Delaware, à Lewis, le port du pantalon moulant est interdit. Il est illégal de se marier suite à un pari. Il est illégal de survoler toute étendue d'eau sans emporter suffisamment d'eau et de nourriture. En Floride, à Miami, il est illégal pour tout homme de porter une robe sans bretelles. Ah, un coup, il y en a qui veulent pas de bretelles, un coup, il y en a qui veulent que la robe y ait des bretelles, merde, putain. À Saratosa, il est illégal de chanter en maillot de bain. Et enfin, les femmes célibataires qui font du parachute le dimanche atterriront en prison. Mesdames, ne faites pas de parachute le dimanche, voyons. Le conseil commercial de Noël du jour. Et je parle de White Spirit, la BD de Weldonson et de Dedo. Elle est chambée, cette BD. Ouais, Guy Delcourt a adoré cette BD. C'est Dedo qui a eu l'idée de cette bande dessinée, où c'est l'histoire d'un Parisien un petit peu désabusé de la vie, qui aime son ex et qui a du mal à se remettre d'une histoire d'amour, qui se retrouve dans une soirée où il y a de la Ouija. Lui, il trouve ça vraiment débile, jusqu'au moment où un vrai démon serait peut-être apparu dans cette soirée. C'est chambé, ce truc. C'est drôle. C'est dérangeant. C'est dérangeant. Ça va loin. Ah oui, ça va très loin. C'est, en fait, à chaque fois, tu te dis, ok, ça va aller là, et la BD va plus loin que ce que t'imagines. Ouais. Et cette double page incroyable, tu tournes la page, tu... Oh ! Incroyable, cette BD est chambée. Et puis, le dessin de Will Johnson est fou. Ah oui, oui, non, c'est super, cette BD. Très bonne bande dessinée. Allez, on va faire une bad news très, très rapide. Thomas, prends ton téléphone portable. C'est une bad news qui nous vient de Méfès. C'est son surnom. Je ne donnerai pas son nom. D'accord. Méfès, à mon avis, est collégien. Méfès, ce que t'as fait, c'est pas bien. Mais j'ai beaucoup ri. Mais c'est pas bien. Mais j'ai beaucoup ri. Malheureusement, j'y suis allé. J'avais fait une photo d'écran que j'ai perdue. Il m'a fait quelques photos d'écran, donc voilà. Malheureusement, ce n'est plus en place aujourd'hui. Mais voilà. Ce que vous voyez à l'image, c'est que cet élève a renommé son collège « Enculasecte ». Voici la preuve, Thomas, que Google Maps avait accepté sa modification. Et je suis allé, juste après avoir reçu son mail, sur Google Maps, j'ai tapé « Enculasecte » et ça m'a localisé son collège. Donc mes fesses, c'est pas bien, mais c'est très drôle. Du coup, maintenant, quand moi, sur mon ordinateur, vu qu'il y a un truc en mémoire, quand je tape « Enculasecte » dans mon Google Maps, ça m'indique son collège. On va avoir des soucis à cause de tous ces petits cons, là, qui font de la merde. C'est très drôle, mais on va vraiment avoir des soucis. Moi, j'ai fait une blague, j'ai dit « Venez, on crée une secte ». C'était drôle. Ça va trop loin. Ça reste quand même très drôle. Ça reste quand même très drôle. C'est pas bien, mes fesses. À demain. À demain. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer